Miron. Je suis désolée, il est parti pour Milan. Ok, d'accord, sérieusement, il est où là? Je vous assure, il est à un salon. Un salon. Porte quoi? De ma mère, j'étais en train de t'appeler là. Viens ici. Tu vas voir qu'est-ce qu'il y a. Qu'est-ce que je fais? Alors maintenant, tu vas me rendre le pognon que tu me dois. Ça y est, bientôt si Dieu veut. Non, t'inquiète pas, Dieu il veut. Tout le monde veut, y'a que toi qui veux pas. Qu'est-ce que tu fais là? T'es en train de nous planter ou quoi? On n'a pas été correct avec toi, nous? T'es en train de nous mettre à genoux, tu voudrais qu'on t'embrasse? Non, mais t'es fou quoi. T'énerve pas, calme-toi. Dov, dis-lui de se calmer. C'est pas moi, c'est la banque. Ils m'ont tout pris. J'ai plus de chéquier. La carte bleue, c'est la carte bleue de ma mère. Quel chômage. C'est après tout le pognon qu'ils ont perdu dans leur magouille de merde. Là, il faut qu'ils fassent rentrer l'oseille, tu comprends? Et sur qui ils tapent, hein? Sur qui ils tapent? Sur des petits comme moi, comme d'habitude. Quel petit? Tu draines plus de 20 bouclards, espèce d'enfoiré. Attention, j'ai pas été fait avec un doigt, moi. Hein? Tu vas vendre mon oseille maintenant. Ah, ton oseille, où tu veux que je le trouve, moi, ton oseille? Je te dis que je dépose. Je suis à la rue, je te jure que je suis à la rue. Regarde. J'ai plus de cam. On m'a tout saisi. Arrête, Eddie, arrête, ça sert à rien, regarde. Tu m'avais donné ta parole. Hey, Eddie, désolé, on tombe pas à neuf, hein? Moi, j'en ai marre, on peut plus continuer comme ça. Eh bien, raison, on peut pas continuer comme ça. Le sentier, c'est mort. N'arrête pas de se faire planter ici. De toute façon, aujourd'hui, c'est plus là que ça se passe. C'est avec les hyper qu'il faut travailler, avec la grande distribution. C'est là qu'il y a le boulot. Et crois-moi, quand les mecs disent qu'ils te payent le 30, c'est pas le 31. Mais tiens, malade, la grande distribution, mais tu réalises pas. Tu sais qui on est pour eux, nous? On est des nains, on est wallo. Mais alors, mais ça coûte rien d'essayer. De toute façon, on n'a plus le choix. C'est ça qui me fait chier, Eddie, moi, c'est qu'on n'a pas le choix. Alors vas-y, qu'est-ce que tu proposes? T'as une autre solution? Parce que si ça continue comme ça, dans deux mois, on met la clé sous la porte. Arrête, je te dis que tu peux pas bosser avec ces enculés. Même si t'es au top, ils vont te niquer. C'est comme des scorpions, ils peuvent pas s'empêcher. Va demander à Albert Zoutuni. Fils Zoutuni. J'ai une fille, mais c'est un cake, il avait pas les épaules, lui. Allez, Dove, ça va, je t'en prie, viens. Et on va les déchirer. Qu'est-ce que tu vas déchirer? Tu vas rien déchirer du tout. Tu vois. Serge! Mon chéri! Serge! Quoi? Téléphone, c'est ton cousin Patrick. Patrick? Allô, cousin? Il faut que tu me rendes un grand service. J'ai une amie qui arrive de Sao Paulo, mais là, je suis Keblo, j'ai un conseil d'administration grave. Sois gentil, va la chercher. Attends, Patrick, j'ai une journée de ouf aujourd'hui. Tant pis, c'est pas grave. Je voulais te proposer de prendre la Rolls. La Rolls? Ah bah attends, je consulte mon planning. Hein. Bon, c'est vrai, la pauvre, si elle vient de Sao Paulo. Et dis-moi, pour les frais? Quels frais? Il y a tout ce qu'il faut à la maison. Tu la déposes, tu la fais patienter, tu lui sers à boire. Mais attention, tu la touches pas, hein. Attends, ça va, tu me prends pour qui? Bon, ça y est, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Ça, ça va, c'est bon, c'est bon, on y va. Oh. Oui, non, mais c'est gentil parce qu'on aimerait bien jouer, nous aussi. Ah, on va jouer.
Oh, mais c'est pas possible. Mais c'est qui ces mecs? Pour qui ils se prennent? Qu'est-ce qu'il y a? Je me concentre. Parce que j'ai aujourd'hui, je suis pas en forme. Il est où le voiturier là? Tiens, sans déconner, c'est le bordel, hein? S'il vous plaît, c'est la voiture jaune, merci. Hein. Ah, c'est très gentil, mais vous savez, j'ai déjà la mienne qui est juste là, vous voyez? Hé, hey, dis-moi. Moi, c'est la Rolls, d'accord? Tu fais pas trois tours avec, hein, d'accord? T'as qu'à la laisser là en double fil, comme ça je peux la voir. Tiens, voilà les clés. Et après, tu me gardes la voiture de mademoiselle qui est juste là. Vraiment, hein, désolé. Shoshana Boudboul. Serge Benabou. Enchanté. Hey, tout le plaisir est pour moi. Bonne journée. J'ai rendez-vous avec quelqu'un. Vous êtes? Patrick Habitbol. Enfin, c'est-à-dire que moi, c'est Serge Benabou, mais Patrick Habitbol, c'est mon cousin, comme c'est lui qui a rendez-vous. Je vois, si vous voulez bien me suivre. Je l'ai pris pour voiturier. Merci. Bonjour, Serge Benamou. Je suis le cousin à Patrick. Il m'a demandé de passer vous prendre. Mais pourquoi? Mais parce qu'il avait un petit empêchement, le pauvre, il est coincé. Bah, je suis désolé. Oh non. Non, hein. Cette fois-ci, c'est trop. Il attendez, me attendez. 95 francs, monsieur. Ah, vous mettez ça sur le compte de monsieur Habitbol. Il a un compte ici. Hein? Ah, très bien, excusez-moi. Vous voyez la table avec la jeune fille, là? Vous leur mettez une bouteille de champagne de la part de Serge Benamou. Sur le compte de monsieur Habitbol. T'as tout compris, toi. On y est. Bonne. Attendez. Et voilà. Ramène-moi. Patrick va arriver d'une minute à l'autre. Il n'y a pas amour, amour, hein? Non! Non, je suis très fâchée. Hein? Non! Je ne veux pas attendre jusqu'à demain matin. Non, tant pis pour toi, hein? C'était Patrick. Il ne vient pas. Alors là, il va me le payer. Oh, ça, il ne vient pas. Qu'est-ce que vous faites, là? Non, non. C'est mon cousin, je ne peux pas lui faire ça. Bon, on n'est pas obligé de lui dire. On n'est pas obligé de lui dire, non. Oh là là. Oh la vache. Ça va être terrible, tu sais. Tu as la capote? Hein? Bah, il faut la capote. Hein? Oui. Où est-ce qu'elles sont? Oh putain, je suis un traître. Vite! J'arrive! Je vais te casser le cul, toi, tu vas pas comprendre. Où tu es? Tu te croyais mon ami, hein? Non, moi je voulais pas, ils m'ont forcé. Quoi? J'étais pas d'accord. Bon anniversaire, Sergio. Et en plus, devant les conseils, sans déconner, j'ai l'air de quoi, moi? Qui c'est ça? Oh là, c'est péché! Mais non, je t'assure, c'est très beau, slip. Montre-moi un peu ça. Arrête! Mais lâche-moi! Bon anniversaire, amour. Oula! C'est un vénard, toi, bien. Mais héros, tu fais la gueule? S'il y a quelqu'un qui doit faire la gueule, et si c'est moi, hein, salopard? Pourquoi? Je te demande de t'occuper de mon ami et tu lui sautes dessus. Moi? Mais attends, mec! Quand je suis rentré, j'ai tout de suite vu que c'était une embrouille. Ah là! D'ailleurs, j'allais partir. Un slip kangourou? Tu prends pour un babo? Serge, tu m'as encore déçu. Attends,
sur les yeux de tonton Maurice que j'aurais jamais fait une chose pareille, ça je peux te le jurer. Eh bien t'aurais dû, parce qu'au prix qu'elle m'a coûté, deux fois t'aurais pu la niquer. Allez, bon anniversaire. Je te jure, sur ma vie, j'ai pas pu venir, j'étais au boulot, voilà. Mais arrête, Isa, on va pas recommencer avec... Mais arrête, Isabelle, il y a ma femme qui est là, ok? Je peux pas te parler. D'accord? Tu comprends? Allô, Isa, Isabelle, Ah, Dove, mon chéri, dis-moi où tu étais. Rien, j'étais là, j'étais... Qu'est-ce que t'as? T'es tout bizarre. T'as des soucis? Alors voilà ce que j'ai pensé pour tes dettes. Quelle dette? Quelle dette? Tu me demandes quelle dette? Ça fait 20 ans que tu m'empruntes de l'oseille, qu'est-ce que je dis depuis que tu es né? Écoute, Patrick, je mets de l'argent de côté, mais tu sais, c'est pas facile. Tu sais que j'ai un nouveau boulot maintenant. T'es coursier chez Skyway. Ah. Il m'a appelé l'autre jour, il paraît que t'es toujours en retard. Arrête de tripoter ce truc-là, ça coûte les yeux de la tête. Tu m'écoutes? J'ai une grande nouvelle pour toi. Tu ne dois plus rien. Attends, t'es sérieux, là? Sur ma vie, on efface tout. Et on repart à zéro? On reste à zéro. Ça change du sentier, hein. Détends-toi. Hein. Décontracte-toi. Hein. Surtout pas, j'ai envie de chier. Souris. Ne souris pas, ne souris pas. Bonjour, monsieur. Monsieur. Non, vraiment, là, je suis pas convaincu. Enfin, monsieur, regardez la finition. Rien que la finition, je ne sais pas. Franchement, qui travaille encore comme ça aujourd'hui? J'ai l'impression qu'on parle dans le vide, là. Oh là, pardon, monsieur, hein, si je vous fais part de votre temps... Non, mais attendez. Vous avez peur de ne pas vendre ma marchandise, c'est ça? Alors voilà ce que je vous propose. Si jamais vous aviez des invendus, mais ça n'arrivera pas, vous verrez. Eh bien, je vous les reprends. Sans condition, tous les invendus. Dis. Chiche. Denis Verrouten, chef du département achat. Eddie Hubert. Je présente mon collaborateur, monsieur Yvan Toiti. Enchanté. Monsieur Verrouten. Oui. Je m'en vais. Oui, merci Romain, vous étiez parfait, hein, comme d'habitude. Alors? Ah, mais c'est sympa ces petits lapins. Qu'est-ce que vous en pensez, le snack? Oui, c'est justement ce que je disais, c'est ravissant, quoi. Oui, c'est une idée de mes filles. Intéressant, c'est bien. C'est super. Bon, bah, vous allez me montrer tout ça, hein? Je vais les accompagner dans mon bureau. J'arrive tout de suite. Willy! Elle te plaît? Ah, ça. Si tu voulais, tu pourrais te la payer, hein. Je te l'ai déjà dit. Viens bosser pour moi. Tu vas pas passer ta vie à faire le coursier, non? Je sais pas, il faut que je réfléchisse. Réfléchis pas trop. Tu peux te faire un paquet d'oseille, hein. Serge! Oui? Si je te dis ça, c'est parce que je t'aime bien. Tu comprends l'histoire? Faut que j'y aille, là. Je suis pressé, hein. Serge! Oui? C'est une proposition sérieuse, hein. Ouais, bah. Là, Serge! Oui. N'oublie pas que t'es un gagnant. Ma BME, ma BME, ça voulait dire qu'on était riche. Ma BME. Patrick, je t'en prie, c'est quoi ce truc, là? C'est un sculpteur grec qui l'a fait. Takis Nahadin Show, j'ai vu quoi. En Californie, c'est de la folie, tout le monde se l'arrache. Et ça sert à quoi? Ça sert à quoi? C'est de l'art, il est con, celui-là. Tu sais combien je l'ai payé? Allez, 40 plaques. Et en plus cash, parce que cet enculé, il se la joue, je suis un artiste, je prends pas l'échec. Et l'autre, il me demande à quoi ça sert. Ça sert à rien, tu mets ça chez toi et puis c'est tout. Et en plus, tu touches pas avec les doigts. Déjà, la femme de ménage, j'aime la passer au miroir, cette connasse, elle m'a niqué une lamelle. Putain, qu'est-ce qu'on fout là? C'est une soirée musée ou quoi là? Ça fait une heure que tu nous crasses les couilles avec ton hélice. On joue! Attendez, c'est quoi les annonces maintenant? C'est 80 à carreau pour vous. Mange du crabe, tu as dit 90! Mais attends, t'es fou quoi? J'ai jamais dit ça! Putain, je peux pas jouer avec toi, t'as un malade mental. Là, tiens, pour celui-là dans ton thermoule et allez vous faire voir. Allez, c'est qui le patron? D'où tu sors ces tasses, toi? De mes couilles, je sors ces tasses! Allez, va au bois, t'as vu ça, Eddie? On va se les manger grave. On va se les manger grave. De tes couilles? C'est comme ça que tu parles à ton cousin? Patrick, arrête, joue. Attends, laisse-moi. Qu'est-ce que tu faisais chez Willy Journaux? Moi, rien. Rien? Espèce d'enculé, je t'ai vu sortir de sa boutique. Qu'est-ce qu'il veut avec toi? Il t'a proposé de rentrer dans ses combines, c'est ça? Attends, quel rapport? On joue, là! Le rapport, c'est que ces têtes de zob, c'est mon cousin et que je veux pas qu'il aille en prison. Tu sais ce qu'il trafique, Willy, avec son frère?
Ils font endosser des chèques sans nom par un pigeon. Le mec, il va à la banque, il met son nom sur les chèques, et une semaine après, il lui ramène le pognon liquide. Et eux, ils lui laissent une com' de merde, genre 2%. Non, 5. Arrête. Charles, tu fais quoi qu'il t'a rien dit? Tu te fous de ma gueule ou quoi? D'accord, je l'ai vu, mais je lui ai dit que j'étais pas intéressé. Voilà, sur ma vie, c'est la vérité, putain. Allô? Comment ça va, ma chérie? Bien? T'es où, là? Non, c'est tout ce que tu portes. Mais attends, t'es une vraie salope, toi. C'est pour ça que je t'adore. Non, pas tout de suite, ma chérie, je suis en réunion, là. Hein? Tu verrais, mes potes, ils sont comme des oufs, là. Ouais. Bien sûr qu'ils ont tout entendu. Mais non, je leur dis pas quitter, ça va pas ou quoi? Attends, je suis pas comme ça, tu me connais. Hein? Ok, ma chérie. Bon, allez, je t'embrasse, je te laisse. Je dois te laisser, je t'embrasse, ma chérie. Bye. Je te jure, je leur dis pas, c'est bon. Allez, je t'embrasse. Bye, chérie. C'était Martine. J'en étais sûr. Ah, bien joué. Et qui est Martine? Martine, qui est Martine? Quoi, tu connais pas Martine? Non. Dove, tu lui as jamais présenté Martine? Quoi, tu connais pas Martine? Oh putain, les mecs, sans déconner, vous pourriez me faire croquer un peu de temps en temps, merde! Attends, tu veux que je la branche? Me laisse tomber, attends, il peut pas, je te jure. Non, mais lâche l'affaire, tu fais pas le poids, Martine, c'est une allumée, je la connais. Dove! Non, sans déconner, attends, je vais l'éclater sur ma vie, je suis un marteau pilon, là, je vais la casser, là. Attends, je lui branche ou pas? Allez, bien sûr, tu lui branches? Allez, va, bah attention. T'as vu comment je lui ai parlé? Tu vas direct, franchement. Tu la joues pas genre les poètes disparus ou le et tout ça, ok? Tu la chauffes à donf, sinon c'est niqué. Ok. D'accord? Allô? Ouais, bouge pas une seconde. Allô? Je suis un copain de Dove. Il m'a dit que t'aurais rien contre un petit 5 à 7 avec un mec super bien monté. Ça tombe bien, je suis un gros chaud de la bite. Tu sais quoi? Je vais te casser tes petites pattes arrière et puis je vais te faire bouffer ton polochon. T'entends? Serge? C'est toi mon fils? Maman? Oh putain, votre homme, tu l'es! Tu l'es, votre homme, fait ça, sa mère! Putain, à ma mère, vous m'avez fait ça! Putain, je vais appeler la vôtre! Attends, c'était qui? Monsieur, je crois que nous avons un vrai problème. C'est-à-dire? Quel problème? On a fait une grosse erreur avec vos modèles. Très grosse. On aurait dû en commander plus. C'est vrai, les petits lapins, non, ça marche très fort. Oui. Très, très fort. Vous pouvez nous livrer plus? Bien sûr, oui. On va s'organiser. Mais... Très bien. Je vous prends 8 références. Ça fait 160 pièces. Soit 35 520 pour l'ensemble de nos hyper. Je suppose que le référencement est assuré, non? Vous savez, la petite cotisation, quoi. Pour couvrir les frais de dossier? Ah bah oui, si vous commencez à être un fournisseur important, et c'est pas fini, hein? Vous leur avez dit pour les têtes de gondole? On va exposer vos modèles à l'entrée de tous les magasins, ça va vous faire une publicité énorme. Vous verrez, nous quand on aime, on lésine pas. Naturellement, il faut à chaque fois un employé pour organiser le rayon, un autre pour le réassort des stocks, une démonstratrice. Vous comprenez bien que c'est pas à nous de les payer. Mais attendez, c'est vos employés, non? Oui, peut-être, mais le temps qui passe à écouler vos vêtements, il ne les passe pas à vendre la marchandise de nos autres fournisseurs. C'est ça, le problème. Oui, tout à fait. Mais non, mais je ne suis pas d'accord, franchement, c'est pas normal, ça. Bah, attendez, qu'est-ce qui est normal aujourd'hui, hein? Alors, les choses bougent. Et puis, la différence entre vous et moi, c'est que pour moi, votre collection, c'est qu'une affaire. Tandis que pour vous... C'est peut-être la dernière. Ok. Donc ça coûtera combien? 400 000. Peut-être 500, mais pas plus. Vous savez quoi, Pesnec? Ils sont sympas. Allez, on va vous mettre sur le catalogue. Pour rien. Alors 300 000 francs, hors taxe. Café, c'est pour nous. Non, merci, ça va. Bon, on a fait le tour de tout. Hein? Ah non. J'oubliais. Grande nouvelle. Nous fusionnons avec le groupe Commercia. Vous vous rendez compte du marché qui s'ouvre à vous? Hein? C'est plus 200 hypermarchés que vous avez comme clients. C'est près de 500. Ce qu'on veut savoir, c'est ce que vous comptez faire pour la corbeille. Quoi? Quelle corbeille? La corbeille de la mariée. La fusion nous coûte beaucoup d'argent. On vous demande juste un petit geste. Attendez, excusez-moi, mais je ne comprends pas. Bon, je vais vous aider. On veut que vous nous reversiez 5% de votre chiffre d'affaires annuel. Sinon, on ne veut pas l'affaire. Il est marrant, non? Il est grand. Et il y a quelque chose qu'on oublie de préciser quand même, c'est important, Eddy. Oui. C'est pour la pipe, c'est à quelle heure? À
Pardon ? À quelle heure je te suce ? Ah, mais non, parce qu'il est bête. Non, non, excusez-le, il plaisante, hein. Non, mais c'est quoi cette histoire de corbeille de mariée, là ? Non. Alors, c'est leur nuit de noces et c'est nous que l'encule, c'est ça ? Qu'est-ce qui se passe, là ? Il y a un problème ? Non, non, il n'y a aucun problème. Alors, là, vraiment, il n'y a absolument pas de problème. Mon ami est un petit peu surmené parce que nous avons beaucoup travaillé ces derniers temps, mais il n'y a pas de problème. Hein, c'est quoi ces conneries ? Tu vois pas qu'il nous balade, là ? Arrête. Et me regarde pas comme ça, toi. Hein. Me regarde pas comme ça. Tu sors de là. Excusez-nous, il prend tout au tragique. Où en étions-nous ? Arrête de tirer cette tronche, Eddie, on s'en est toujours sorti, non ? Des clients, on en trouvera d'autres. Mais quel client ? Il n'y a plus de clients. C'est Viroutel, le client. Il nous tient par les couilles, on n'a pas le choix. J'ai pas envie de mettre 15 personnes sur le trottoir parce que monsieur a les états d'âme. Mais quels états d'âme ? C'est des pourris ! Bon, qu'est-ce qu'on va faire, alors ? 30 000 pièces de plus. Quoi ? Non, tu déconnes. J'ai négocié 30 000 pièces de plus. Voilà. Ils sont chauds bouillants sur les petits lapins. Jamais les aurait lâchés. Voilà, je vous l'avais dit, sur le go, c'est de l'or en barre. En plus, on peut décliner, il n'y a pas de limite. C'est quoi, Eddie ? T'es un génie. Et toi, Yvan, tu vas te tenir à carreau. Parce qu'avec tes conneries, j'étais obligé d'accepter de sponsoriser le marathon annuel d'Eurodiscount. Quoi, t'as encore fait de l'eau ? Mais non ! Mais c'est quand que tu vas te calmer un peu, toi ? Mais d'où je me calme ? Va te faire cuire le cul, toi. Waouh, tu m'as fait peur. Tu dors pas ou quoi ? T'as vu l'heure qu'il est ? C'est quoi ça, tu pars ? Moi ? Ouais. Non. Toi, tu pars. Quoi ? Toi, tu t'en vas à Dove. C'est fini. Attends, t'es complètement folle. T'as pété un câble ou quoi ? Qu'est-ce qui te prend ? Isabelle m'a tout raconté. Karine, sur ma vie, c'est pas du tout ce que tu crois. Mais t'es une ordure. Comment t'as pu me faire ça ? Hein, tout le salon de coiffure est au courant. Ok, c'est arrivé une fois. J'ai été me faire couper les cheveux. Elle m'a carrément sauté attends, dessus. Attends, de qui tu parles ? Ben, d'Isabelle, la coiffeuse. Mais espèce de salope, je te parlais d'Isabelle Toledano, la pharmacienne ! Karine, attends, Karine ! Je ne peux jamais te voir ici. Ok, Karine, attends. C'est bon, ok, j'ai déconné, je te demande pardon, ça va ? Je crois que t'as plus rien à faire dans cette maison. Karine ! Tu sors. Karine, arrête. Là, c'est clair, tu sors ? Ok. Je me casse, moi. Je me casse. Regarde, je me casse. Eddie ! On a un problème avec les boutons. Freddy, il nous fait 90 au lieu de 85. C'est pas grave, tu discutes pas, on est trop à la bourre, on s'attrapera la prochaine fois. Quoi ? Notre fille ? Ma fille, je vais te dire. Hein ? Ma fille, c'est moi qui vais la prendre, Rebecca, c'est moi qui vais la mettre au top, ma fille. Ouais, tu vas voir. Qu'est-ce qu'il en est là-bas ? Mais laisse-le. Karine veut divorcer, ça fait 2 semaines qu'il vient à la maison. Moi, je dors dans la bagnole pendant 2 semaines, t'en as rien à foutre. Je perds 30 kilos en 10 jours, t'en as rien à foutre. Quoi ? Ouais, vas-y, prends un avocat, ok, tu vas voir. Ok, ouais, c'est parti, allez, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Allez, on y va, c'est parti. Vas-y. Je sais qu'il a des problèmes, c'est pas de raison pour te foutre en l'air, il y a du boulot, merde, allez, on y va, oh ! Allez, c'est vous là ! Merde ! Tiens, hey. Tu fais gaffe, c'est hyper fragile. Hein. C'est pour le patron de Meubleco, il m'arrive ça fait aujourd'hui. D'accord. Dis donc, en passant, tu récupères mes places pour Lara Fabian, je les ai fait mettre de côté. D'accord. Et t'oublies surtout pas parce que le type m'a dit que c'était les dernières. Pas de problème. Attends. T'as bien pigé, hein. Tu poses le cadeau et tu te casses. Comme d'hab. Non, justement, pas comme d'hab. Oh putain, là, la priorité là. Oh putain, non. Allô, sir. Est-ce que tu files à l'Olympia et tu récupères mes places pour Lara Fabian ? Bonjour, monsieur. C'est pour une livraison ? Oui, mais dis-le, Lara. D'accord. Je vous demande Ricky. C'est le manager de Lara. Chouchana Boutboul. Comment ça va? Ça va super. C'est drôle. Oh là là. Vous savez que je suis la sœur de Dina? Dina? Bah oui, la mariée. Enfin, je veux dire, la future mariée. Excusez-moi, mais il faut que j'y aille. Je dois partir. Bah non, quel dommage, vous allez pas partir tout de suite. La fête vient de commencer. Si. Attendez, je vous présente mon père. Papa? Oui, chérie. Ska. Je voudrais te présenter Serge Benamou, mon père. Enchanté. Monsieur? Je suis désolé, hein, je reviens du polo. Tant que vous laissez vos chevaux dehors. Mais qu'est-ce que c'est, ça ? Viens vite, allez, viens, dis-nous au revoir. Attends, allez ! Vous restez, ça y est, pas de problème, allez-y.
Allez, viens, viens. Allez. Qui est ce garçon, voilà. Tu le connais? Non, pas encore. Ah, y en a qui se garent vraiment n'importe où. Hein. Tu te gênes pas, toi? Qu'est-ce que tu fais là? Ça va, je regarde pas. Pardon, excuse-moi, hein, merci. C'est bien ce que je pensais, là, toute la collection est sous-taillée. Non, attendez, regardez, vous l'avez donné à 38, là. Oui, et alors? Bah, comment ça, et alors? Elle fait un bon 42. Mademoiselle, vous faites du combien? Du 38? Bon, enfin, c'est ridicule, si mademoiselle fait du 38, moi, je fais du 2. Mais peut-être. Bah oui, mais écoutez. Qu'est-ce qui se passe ici, y a un problème? Ah, monsieur Verroutel, vous tombez très bien. Toute la collection est sous-taillée, toute. Mais enfin, il les a, mais d'où il sort, lui? Doucement, hein, on se calme. Monsieur Lopez connaît son métier. Ah oui, c'est sous-taillé, oui. Ça fait pas un pli, c'est le cas de le dire. Mais enfin, évidemment, il lui a filé un 38. Passez-lui un 42, vous verrez bien. Écoutez, monsieur Vubert, on n'est pas dans le sentier ici. Il y a des règles à respecter. Non, écoutez, vous pouvez pas me dire ça. J'ai fait tout ce que vous m'avez demandé. J'ai accepté toutes vos conditions. Vous refusez la marchandise? Oh, mais c'est une blague. Désolé, vous le saurez pour la prochaine fois. Attendez, monsieur Verroutel, s'il vous plaît, attendez, il faut que je vous parle. Mais attendez, c'est quoi ce coup tordu? Attendez, il faut que je vous parle. Enfin, c'est pas possible. Mais vous croyez que je vais me laisser éduquer comme ça? Et t'es reparti comme ça, avec la cam? Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Leur fourguer de force? Oh la vache, on s'est bien fait niquer. Hein. À tous les coups, ils ont trouvé un fournisseur moins cher. Quoi, moi, chien? Puis tu vends ta mère aussi pour avoir le droit de bosser? La vérité, si je trouve pas une solution, je suis mort, moi. Je suis caution personnelle dans cette histoire. On peut tout me prendre, vous comprenez ça? Et toi, t'as rien à dire, évidemment. S'il te plaît, Yvan, t'es gentil, à ta place, je la ramènerai pas trop, mine de rien, c'est toi qui nous a foutu là-dedans. Quoi? Moi? C'est qui nous a bassiné avec la grande distribution? C'est pas toi? Tu fais chier, Dove, qu'est-ce que tu veux? Foutre la merde? Tu crois qu'il n'y a pas assez de problèmes comme ça? Mais quel problème? On a perdu un client, c'est ça les problèmes? Ça nous est déjà arrivé, on s'est toujours relevé. Même pas cette fois, connard! Eddie, les cautions personnelles, tu comprends ce que ça veut dire, ça? Moi, qu'est-ce que je vais dire à Sandra? Donc, j'ai essayé de t'appeler toute la journée au bureau, mais ça répondait pas. Ça va, chérie? Ouais. Elle est bizarre, ta secrétaire. Ah bon? T'en fais une drôle de tête, ça va? Oui, ça va, non, tu sais, t'inquiète pas, c'est juste le voisin, il arrête pas de me prendre la tête en ce moment, il est chiant. J'ai une surprise pour toi. Ah bon? Assieds-toi, détends-toi. L'Echaïm? L'Echaïm. Il faut que je te dise quelque chose. Moi d'abord. Hein? Ben, en fait, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Ah oui. À ton avis, c'est quoi la bonne nouvelle? Hein? Je sais pas. Sarah s'est inscrite à la danse? Non. Anna, une petite dent qui pousse? Non, je suis enceinte. C'est pas vrai. Comment ça, c'est pas vrai? T'es pas content, c'est ça? Bah si, je suis très content. Non? Bah si, je t'assure, je suis très content. C'est quoi la bonne? La mauvaise nouvelle, c'est quoi? En fait, le bébé est pas très bien accroché, tu vois. Le médecin m'a dit qu'il fallait que je fasse attention, que je me repose, que j'évite les contrariétés. Ah oui? Mais qu'est-ce qui se passe? T'as changé d'avis, c'est ça? Non, pas du tout. Pourquoi je changerais d'avis? Pas du tout, je suis très content, je t'assure, c'est génial. Tu sais, je pense qu'il va falloir qu'on achète une nouvelle voiture et qu'on déménage, tu sais. Parce que l'appartement, il devient un peu petit, tu sais, on est un peu à l'étroit ici. Bien sûr. Hein? Ben oui. Je vous le dis franchement, ça ne va pas être une partie de plaisir. Ces gens sont très puissants et ils jouent gros. S'ils perdent, ça peut faire jurisprudence. Écoutez, moi j'ai fabriqué, j'ai investi, j'ai tout misé dans cette affaire. J'ai plus le choix. Je joue ma peau, moi. On va être obligé de demander à la cour de nommer un expert. C'est parfait. À moins de tomber sur un aveugle, je vois pas comment on peut passer à côté de l'arnaque. Monsieur Hubert, je ne prends pas en traître. Ça va coûter très cher. Je me débrouillerai. Tu veux faire les marchés? Ouais. Bien sûr, je vais me gêner.
Putain, Eddie, je savais que t'étais ouf, mais à ce point-là. Attends, l'avocat, il me prend une fortune. J'ai une famille à nourrir, moi. T'as une meilleure idée, toi? Parce que tu crois que c'est comme ça que tu vas remonter la pente? Putain, j'ai commencé par les marchés, moi. Je sais ce que c'est, hein. Non, mais c'est provisoire, il faut que je tienne 3 mois. Dans 3 mois, l'expert rend son rapport. Et je les explose. Qu'est-ce qu'il y a? C'est te lever à 4h du matin qui te fait peur? Mais non, ça n'a rien à voir. Mais mon père, il m'a demandé de retravailler au magasin. Je peux pas me permettre de refuser. Ah bon, je comprends, ça va. Je te fais de la peine? Non, ça va. Le bar à Los Angeles, c'est pas plus mal. Karine, depuis la naissance de Rebecca, de toute façon, elle a changé. C'est plus pareil. Avant, on niquait du matin au soir, n'importe où, on se la donnait grave. Aujourd'hui, ça y est, il y en a que pour la petite. Elle a même pas essayé de te retenir. Mais t'es fou, quoi, Yvan. Elle a masqué, tu parles. Attends, tu crois que j'ai pas senti qu'elle mourait d'envie que je reste? Qu'est-ce que tu veux, la pauvre? Elle est amoureuse et moi, j'en ai marre, ça y est, putain. Elle m'a trop pris la tête. Aujourd'hui, j'ai envie de m'éclater. Tu sais ce que c'est? J'ai envie de me sentir vivant. Vivant, tu sais ce que c'est? Et niquer, ça me rend vivant. Ça, c'est parler d'Ove, tu vas voir, on va se la donner grave. Par contre, si tu vois quelqu'un tourner autour de Karine, tu m'avertis, hein. Direct. Merci, mon frère. Tu vois, c'est ça, les amis. C'est ce qui reste quand on a tout perdu, putain. Hé, hey, Yvan, t'as très mal au cul de me donner un coup de main pour les valises, hein? Ça va, c'est ton cousin, tu fais chier. Oh, ta race, toi. Mais mon frère. Bon voyage, Patrick. Alors, hein? Je compte sur toi. Tu passes prendre le courrier et tu te casses. Et surtout, tu touches à rien, ok? Bah, t'as pas de problème. Hein? Tu laisses mes bagnoles. Fais pas de conneries, attention, Rio, là. Ah, attends, tu me connais pas, là, j'ai beaucoup changé, hein. Allez, bah, merci, hein. Tiens, prends les journaux. Nickelé, hein. Allez, au revoir. Allez. Quel spectacle. Elle était géniale, j'ai adoré. Merci, c'est incroyable que tu aies réussi à avoir ses places, vraiment. Bon, écoute, c'était pas grand-chose, je te dis, je connais bien son manager. D'ailleurs, c'est cool, je voulais qu'on dîne avec Lara, mais bon, elle est claquée. Bah, t'as vu ce qu'elle donne aussi sur scène? Merci, hein. Et tu m'emmènes dîner où? Ah, tu vas voir, c'est une petite surprise. Tiens, attends. Ah, est-ce qu'ils sont là? Pardon, excuse-moi. Ça, tu vois, ça, c'est mon péché mignon. Oh, Bouboule! Hé, hey, Serge! Qu'est-ce que tu fous dans cette caisse? Tu t'en marres pas, toi? T'as gagné au loto ou quoi? C'est qui ce type? Tu le connais? Je l'ai jamais vu. C'est encore un type qui veut impressionner sa nana. Ah là là, qu'est-ce qu'il y a comme mytho, hein? Ça fait peur. Mais toi, parle-moi un peu de toi. Je sais pas, t'as l'air tellement discrète, tellement mystérieuse. Oula. Moi, y a rien de bien intéressant. J'ai pas fait Polytechnique de Londres, ni aucune business school comme toi, tu sais. Je suis dans une école d'art graphique, en fait. Mais, dis-moi, y a un truc que je veux te demander depuis tout à l'heure. Comment ça se fait qu'un mec comme toi, enfin, je veux dire, avec une telle réussite et tout ça, sois pas encore marié? Tu dois être très sollicité, non? Oh, mais tu sais, c'est tout simple, hein, j'ai pas le temps. Je travaille 16 heures par jour, je voyage énormément. Non, le peu de temps que j'ai, ben, je le passe au bord de ma piscine, seul, à lire. À lire? Oui, je lis énormément. Sartre, Mauriac, Kandinsky. Kandinsky? Oui, ça m'aide beaucoup. C'est tradition, monsieur. Pardon, excuse-moi, 5 secondes. Et... Tu mets ça sur le compte de monsieur Paul, hein? D'accord, tu connais, c'est mon cousin. Oui, naturellement, monsieur, voilà. Et tu... Bah, c'est lui qui paye le repas. Tu m'amènes une petite bouteille de champagne. Je la porte de suite. Voilà. En revanche, pour la note, je suis désolé, hein. Monsieur Abitbol a fermé son compte avant de partir. Non, c'est pas vrai. Jusqu'à nouvel ordre. Je vous apporte la bouteille? Non, parce que... Non, c'est pas très intelligent, parce que j'ai de la route à faire. Bah écoute, merci, hein. Yvan, il faut que tu me sauves la vie. Mais 2000 balles, c'est pas grand-chose. Écoute, cette fois-ci, je te les rends. Yvan, la vérité, si je mens, je te les rends demain matin. Yvan? Merde, putain, ça rase. Oh, Serge, ça va? Ah, Willy. Oui, ça va, ça va. Oh, ça a pas l'air. Tu veux te détendre un peu? Non, dis-moi, tu pourrais me rendre un immense service. J'ai besoin d'oseille. Combien? 2000. C'est parce que j'ai oublié mon portefeuille. Et je passe demain au magasin, je te les rends, d'accord? D'accord. Merci. Mais je la nique. Quoi? Ta meuf, il la nique. C'est normal. Celui qui paye l'addition, c'est toi qui croques. Tu trouves ça juste, toi? Mais attends, c'est quoi cet embrouille, là? Serge, tu sais comme moi que je reverrai jamais mon oseille. Comment tu vas faire pour me rendre 2000 balles alors que t'as même pas de quoi payer un resto à ta gonzesse? C'est normal que j'ai des compensations. Elle est mignonne, en plus. Moi, je veux bien rajouter 55. Ok, d'accord. Merci, les mecs. Te fâche pas, Serge. Te fâche pas, mon Serge.
Les 2000 balles, si tu voulais, tu pourrais les gagner en 5 minutes. Ta petite, tu pourrais la sortir tous les soirs. Laisse-le. Il veut pas, il veut pas. Il préfère faire le larbin sur sa trottinette. Bon, allez, ok, ça marche. Tu as gagné. Non. C'est toi qui as gagné. Fasse-moi voir demain au magasin. Merci, les mecs. Tiens, gagnant, Serge. Putain, me parle pas de Lara Fabian. On m'a piqué mes places. Non. La vérité, si je croise l'enculé qui m'a fait ça, il est mort. Eh, hey, te casse pas. J'ai pu avoir des places pour la Rousseau. Je suis désolé, hein, j'avais un coup de fil important à passer. J'ai cru que t'étais parti. Mais non. Attends, non, mais attends, je rêve, là. Alors là, il va m'entendre. Hein. Et oh, ça fait une heure que j'ai demandé une bouteille de champagne. Tu rêves ou quoi, là? Bien, monsieur. Bien, monsieur. C'est tout ce que j'entends. On se voit demain? Écoute, c'est pas raisonnable. Ah, je te prépare, hein. Pas un tout petit peu? Mais non. C'est pas ça, idiot. Mais tu l'as dit, tu passes ta vie à l'étranger pour tes affaires. Et moi, attends, c'est pas mon truc. J'ai pas envie de souffrir, tu comprends? Ah, mais attends, mais moi, si je voyage, je me jette un corps perdu dans le travail, c'est uniquement parce que j'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. C'est vrai? Mais bien sûr que c'est vrai. Alors, c'était qui la fille l'autre jour au club de l'étoile, hein? Mais non, elle, c'est une pute. C'est une copine. Serge, n'essaye pas de me mentir. T'as aucune chance, je le vois tout de suite. Bon, bah très bien. Tu veux la vérité? Écoute, j'ai une vie... C'est vrai que je suis beaucoup sorti. Bon, c'est vrai que je laisse pas indifférent. Ok, mais... Tu sais, je suis fatigué des aventures sans lendemain, je suis fatigué du showbiz, je suis fatigué des mannequins entre deux avions. Tout ça, c'est terminé. Moi, je suis quelqu'un de simple. Et j'ai besoin d'amour. Et je suis redingue de toi. Mais ça, tu sais, ça, c'est vrai de vrai. Non, il est quelle heure, là? Il est 5 heures. 5 heures? T'es sûre? Je sais pas ce que tu as en ce moment. C'est vraiment bizarre. Allez, viens te recoucher. Non, bébé, je vais pas me recoucher maintenant alors que je suis réveillée. C'est ridicule, non? Moi, puisque t'es debout, ça te dérangerait pas de donner le biberon à Anna? Mais dis, t'étais où, putain? Je t'ai cherché partout, t'as vu l'heure? C'est pas vrai. T'es venu, toi, alors? Ouais. Ah, j'ai lâché mon vieux, il m'a fatigué, j'en pouvais plus. C'est ton placement là, t'es fou, comment t'es 10 000 là? Qu'est-ce qu'il y a? Mais attends, tu t'es fait niquer comme un bleu, comment tu veux vendre des sapes entre du clacos et des gruyères? Ça pue ici! C'est pas moi, il m'a dit mais le foutage, je me suis foutu là! Ah ouais, tu t'es mis quoi? Alain, tu peux pas nous mettre là-bas, trouve-moi une autre place, je t'en prie! Mais non, j'ai pas de place, où veux-tu que je te mette? Mais je sais pas, trouve un truc et tout! Ça fait 10 ans que mon père il venait ici et tout, tu peux pas me faire un truc pareil! Y'a rien, hein! Mais si, regarde là, je peux très bien me mettre à côté des ceintures là, on est bien là! Regarde, tiens, tu vois ça, c'est un collector! Non, on n'achète pas les plastiques, tu sais bien, mais qu'est-ce qui te parle d'acheter? C'est un cadeau, ça me fait plaisir! Alain, je t'en prie, fais-moi ce plaisir! Non, mais tu lui as pas filé ta Rolex quand même! Tu sais, ça me fait comme un vide, hein, c'était un cadeau de mon père ça quand même! Non, mais ça va pas, mais t'es complètement dingue toi! Mais non, je les ai à 50 francs, 20 000, mon père il est retourné la semaine prochaine, si je vais j'en ai 10! Allez, mesdames et messieurs, vous avez raison, faut s'en aller maintenant! C'est la mode de Californie ça, ils portent tout ça aux États-Unis! Il y a tous les prix et même les plus petits, surtout les plus petits! Il y en a pour 25 000. Ça fait 1 200 pour toi. Eh? Tu déposes les chèques à ta banque et tu me rapportes le liquide dans 5 jours, ça va? Ça va, c'est bon. Oh. Si le banquier te pose des questions. Tu lui dis que tu viens d'ouvrir une petite boîte dans le quartier, que ça commence à travailler gentiment, tu vois. Les banquiers s'en foutent, attends que ça rentre. Allez, allez, je t'appellerai, hein. Ouais. Tiens, gagnant, Serge. Je l'ai toujours dit. Ça fait plaisir de te voir. C'est vrai, hein, depuis que Dove est parti, vous m'avez tous lâché. Dis pas ça, Karine. Avec ces putains de marchés, on a plus le temps de rien foutre. Karine, tu sais ce qui me ferait plaisir? C'est que t'appelles Dove, vraiment. Bon, bah, tu vas se boire un verre au moins, hein? Tu sais où c'est? Je vais me changer, j'en peux plus, Rebecca. Tu vas mettre le pyjama? Oh. Tu frottes bien, hein? Mmh. Maman, il y a Ivan qui te regarde toute nue. Non, pas du tout, je cherche les verres. Bon, ça fait rien, Karine, j'y vais. On vient, Rebecca, on va mettre le pyjama. Salut, chérie. Oh là là,
Les belles lunettes. T'es super gâtée, mon amour. Ça, tu peux le dire. Quand tu vas voir la note, 6000 balles. Ah, quand même. Ah ouais. Très gâtée, ma chérie. Oh, en fait, maintenant que j'y pense, il faut que j'appelle la banque parce que à la pharmacie, ils m'ont refusé la carte bleue. Ah non, non, non. Non, 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 t'appelles pas la banque, je m'en occupe, moi. Bon, d'accord. J'arrive! Pardon, excuse-moi, j'étais au téléphone. Viens, entre. C'est quoi ça, Théa? Ça, c'est la marque Peter Halloween. Peter Halloween? Oui, c'est australien. Je peux faire toutes mes chemises là-bas. T'as besoin d'aide? Non, ça va! Magnifique ton taquis, Merox. J'adore, c'est sublime ce truc. Ah oui, j'ai payé 40 plaques. Bah, ça sert à rien, mais bon, c'est de l'art. Les rêves. So baby, if you feel it, speak it to me, speak it to me. Ça va, c'est quoi ce plan? Ça va, je m'amuse. Tu t'amuses. T'as pas entendu, hein? Elle veut qu'on la laisse tranquille. Alors, mec, tu prends tes affaires, maintenant tu te casses. Elle est où ta maman? Toi, forge tes affaires. Allez, te chercher. Ah, tu me saoules, hein? Oh, mais c'est ce qui m'énerve, c'est qu'il m'a pris par surprise. Sinon, je te jure, je lui crabouillais sa gueule. Assieds-toi, je reviens tout de suite. Mais non, laisse tomber, c'est pas la peine, je vais y aller. Je t'assure. 5 minutes, hein? Pas terrible. Tiens. Tu m'as fait peur. J'ai cru que t'allais me gifler. Non. T'aimes pas me voir danser? Si. Mais c'est à cause de l'alcool, je suis désolée. Ah. Je te fais mal? Non. Merci. Qu'est-ce que t'as? Je vais y aller, je suis fatiguée. Hein, c'est mieux, non? Tiens. Bon, mais... Merci. Au revoir. Tu devineras jamais avec qui je suis. Mel Gibson, sur la Torah Mel Gibson. Je viens de lui parler, je l'ai embrouillé grave, c'est bon, il a dit dès qu'il est sur Paris, il vient passer un Shabbat à la maison. Tu veux que je le passe? Tof. Karine, Mel Gibson, putain, l'arme fatale 1, l'arme fatale 2, l'arme fatale 3, l'arme fatale 4. Je t'explique pas l'émeute au restaurant. Tof, je dors. Ah ouais, c'est vrai, putain, je me gourre à chaque fois. Elle t'a dit la babysitter que j'avais appelée hier soir? T'étais sortie? Enfin, je veux dire, t'étais invitée quelque part ou... Ensemble.
Bonjour, monsieur. Ah, excusez-moi, monsieur. Nous cherchons monsieur Vibert. Oui, je connais. C'est quel sujet? Christelle Chabert, huissier de justice. Monsieur Vibert, c'est bien quatrième droite? Ah, pas du tout. Pas du tout. C'est monsieur Agénor, quatrième droite. Monsieur Vibert, c'est quatrième gauche. Vous pouvez pas vous tromper, c'est un paillasson bleu et rouge. Je vous remercie, monsieur. Je vous en prie. Au revoir. Bien, allons-y, monsieur. C'est bon, procédez à l'ouverture. J'ai pas rendez-vous. J'ai rendez-vous dans 3 minutes, là. C'est quoi ce tuyau qui débarque chez moi? Je lui ai déjà dit, monsieur Vibert, on peut plus vous suivre. Vous êtes sans activité depuis 3 mois. Sans activité? Mais je bosse jour et nuit. Je me lève à 4h du matin pour décharger les camions. Tout l'argent que je gagne, il est pour vous. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus, moi? Ça dépend pas de moi, vous le savez très bien. Je... Mais bien sûr, c'est la direction. Mais il faut combien, vos directions, là, pour arrêter la procédure? Ah non, non. Là, c'est impossible. Rien qu'en indemnité de retard, on est déjà à 200 000 francs. Ok. Je vous apporte la moitié dans 2 semaines. 10 jours. Ok, ça va. En échange, je veux 3 mois de délai pour repartir. 3 mois. Bon. Je prends d'énormes risques, hein. Pas autant que moi, monsieur Vanier. Pas autant que moi. Allô, oui, je voudrais parler à monsieur Denis Viroutaine, s'il vous plaît. Monsieur Vanier, Banque BRL. Monsieur Viroutaine. Oui, monsieur Vanier. Dites-moi, j'ai de très bonnes nouvelles concernant notre affaire. Ah oui, non, c'est quasiment réglé, là. Ah non, 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 ne vous inquiétez pas, non. Il a aucune chance de s'en sortir. Mon amour, allez, réveille-toi. Faut vraiment qu'on y aille, maintenant. Mon père se lève dans 1 heure. Oh non, écoute, je ne suis pas pu être amené comme ça en pleine nuit, moi. Ok, d'accord, je vais prendre un taxi, ça me dérange pas. Mais non, non, je dis pas ça. Mais non, mais écoute... Moi, j'ai envie de me réveiller avec toi. J'ai envie de faire la grasse matinée dans tes bras. Moi, j'ai envie de t'amener le café au lit. Enfin, je voudrais qu'on soit un couple normal, quoi. Oh, mon amour. C'est le plus beau jour de ma vie. Mes parents vont être fous de joie. Tes parents? Pourquoi? Quand on va leur annoncer qu'on se marie. Ouais, mais... Attends, faut qu'on en parle. Non, mais faut... Oh, c'est attends. Génial. Non, faut qu'on parle. Ah, non, faut qu'on parle. Un cigare? Non, merci. Non, pas maintenant. Ah bon? Tu vois, Serge, j'ai eu tout ce qu'un homme peut désirer. Une femme merveilleuse, 2 filles adorables, belles, gentilles, intelligentes. J'ai bien réussi dans les affaires. Mais il y a une chose que j'ai toujours regrettée, c'est de ne pas avoir eu de fils. Et Dieu m'a entendu. Ma fille Dina a épousé Simon. Et maintenant, il y a toi. Vous savez, monsieur Boutboul, moi. Fais-moi je... plaisir, tu veux. Tu m'appelles Maurice et tu me dis tu, hein. C'est très bien. Vous savez, il faut que je vous dise. Non, que... écoute, c'est moi qui parle. J'ai une affaire très saine. Puis il n'y a pas que les magasins, hein. Il y a l'usine, la scierie, et puis il y a les forêts, hein. Tout ça, à mon âge, c'est très lourd, très lourd. Alors je ne vais pas tourner autour du pot plus longtemps. J'ai besoin de quelqu'un qui puisse me succéder. Quelqu'un de confiance. Je peux pas demander ça à Simon. Il est médecin, le pauvre. Oui, mais vous savez, Maurice, moi, je suis pas du tout... Dans le meuble, je sais. Mais vous, les polytechniciens, vous savez vous adapter, non? Moi, je suis de l'ancienne école, comme on dit. Aujourd'hui, si on veut survivre, il faut gérer l'entreprise autrement. Et pour ça, tu serais, mais alors, parfait. Oui, mais c'est pas possible. Je sais bien que tu as déjà tes affaires. Ouais. Je te demande pas de chambouler tout du jour au lendemain. Réfléchis. Oh, excusez-moi. Chérie, tu as demandé à Serge quand ses parents pourraient venir dîner à la maison? Mes parents? Et pourquoi? Bah pour que nous puissions les rencontrer avant le mariage. C'est la moindre des choses, non? Ah, c'est vrai, c'est vrai. Depuis le temps qu'on devait les voir, un coup, ils sont en voyage, un autre coup, c'est ton père qui a un tournoi de golf. Dis-moi, tu nous les cacherais pas par hasard? Non, pas du peut-être tout. Peut-être qu'on n'est pas assez bien pour eux. Oh non, mais non, c'est pas ça. Non, la vérité, c'est que... Ça suffit, ça suffit. Tu n'as qu'à leur dire de venir pour Shabbat. Ne discute pas. C'est un honneur pour nous de les recevoir. Merci beaucoup. Au revoir. Attends, mais qu'est-ce que t'as aujourd'hui, toi? C'est pas possible. Mais rien, je t'assure, ça va. Non, je pensais juste à un truc, là. J'ai un copain, figure-toi, ce con. Il est tombé red dingue de la femme de son meilleur ami, tu le penses, hein? T'as couché avec Karine. Hein? Pourquoi tu dis ça? Ça va pas, non? Mais ça va pas, mais c'est pas vrai, t'as pas fait ça.
Bon, je pouvais prévoir, moi. Je l'ai jamais calculé, cette fille. C'est comme ma sœur. Mais t'es amoureux, quoi? Je sais pas, c'est tout neuf. Enfin, bon, tu la connais, hein. Elle est super, hein. Edov? Oui, Edov, ouais. Attends, c'est ton pote. Il va bien falloir que tu lui dises. Ah bon? Monsieur Hubert? Oui, c'est moi. Messieurs, je suis désolé, mais nous avons hâte de saisir la marchandise pour impayé. C'est une demande écrite de Monsieur Vanier de la banque BRL. Écoutez, attendez, c'est quoi le problème? Écoutez, monsieur, regardez, j'ai ma patente. Attendez, non, mais attendez, s'il vous plaît, ne touchez pas. C'est une blague, c'est notre marchandise. Ne touchez pas. Oh, oh, dis-moi, quoi? Oh, lâchez-moi. Oh, ça va, prends les failles. Aïe, mon Dieu. Ah, j'ai eu une opération du genou, arrêtez, ça fait mal. On va quoi, juste enculé de banquier? Tu me fais une fois modèle, c'est lui qui me fait saisir? Et tout l'argent qu'on lui a fait gagner, j'arrive pas à le croire. Je comprends pas. C'est lui qui nous a sauté sur la grande distrib. Mais je l'ai jamais senti, ce mec-là, moi, tu vois. Je vous préviens, hein. Ça va pas se passer comme ça. Calmez-vous, monsieur Hubert. Je te calme, comment je vous paye? Ne vous inquiétez pas pour ça. J'ai eu des nouvelles ce matin. On aura le rapport d'expertise après-demain. C'est vrai? Franchement, j'y croyais plus. Ah, qu'est-ce qu'il est beau, mon fils, par là. Mordechai! Ça, c'est la veste. Viens! Chauffe, chauffe! Je dirais pas. Hein? Roger Lanzac! Merci, maman. C'est... Vraiment, je suis content, tu vois. Vous pouvez me faire plus plaisir. Non, mais franchement, c'est pas un peu trop, tout ça? Mais qu'est trop? C'est une Versace! Bon, maman, sois gentil, explique-lui parce que il me fait peur. Je te jure, il va tout gâcher, là. Ah, calme-toi, là. Tu veux nous faire honte devant les parents de ta future bru, c'est ça? On est bien d'accord, hein. Vous leur posez aucune question. Hein? Ça risque de les embarrasser. Surtout avec les maladies du père de Shoshana. Quelle maladie? Shoshana veut pas que j'en parle. J'en parle pas. Comment? Mais c'est important! Dis-nous! Qu'est-ce qu'il a? Il a pas toute sa tête. Alzheimer? Non, pas jusque-là, mais presque. Disons qu'il dit des choses qu'on comprend pas, il pose des questions, on sait pas toujours, il confond les gens. Mais bon, il faut faire comme si de rien n'était, tranquille. Quel malheur, ah oui, Léo. Comment il fait pour son travail? Il est quand même PDG de meublé, quoi. C'est pas rien. Ah non, mais ça fait des mois qu'il va plus au bureau. Attends, il est PDG, mais parce que personne ne veut lui faire de la peine. Mais la vérité, c'est qu'il est incapable de diriger quoi que ce soit. Et c'est pour ça qu'il me demande de reprendre la boîte. J'espère que c'est pas héréditaire. Yvet ! Hé, hé, maman, surtout pas de gaffe à propos du père de Serge, hein. Il voulait pas que je vous en parle, promis, papa. Ne t'inquiète pas, ma chérie, on fera comme si de rien n'était. J'ai un fournisseur qui est un très grand dépressif, alors je sais ce que c'est. Eh ben, en tout cas, j'espère que c'est pas congénital. Mais ça va pas ou quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Leur fils, il est polytechnicien. Et alors, justement, quelquefois, ça peut sauter une génération, ces choses-là. Tu me promets? Je vais vous dire. Je ne rentre jamais avant 20h du bureau. On sort une nouvelle ligne de table basse et il faut que je m'occupe de tout. Un travail de dingue, hein. Dingue. Bien sûr! Je comprends! Oui, c'est pour ça que je compte sur votre fils pour me rejoindre. Évidemment, j'attendrai qu'il trouve un homme de confiance pour s'occuper du restaurant. Hein? Quel restaurant? Mais enfin, le... Attends. Pardon. Le restaurant de votre fils à Los Angeles, en Amérique, vous vous souvenez? Mais enfin, papa, le restaurant. Le restaurant? Ah, oui. c'est vrai. Où j'ai la tête? La tête! Le restaurant. Oui. Bon, si nous parlions un petit peu du mariage. Il faut que vous sachiez que Shoshana, c'est ma fille aînée. Alors je veux qu'elle ait tout ce qu'il y a de mieux. Le top, quoi, le top. L'oiseau pour les limousines, Vera pour les fleurs. Et moi, je vois pour la réception... Le précathlon. Chérie. Je ne sais pas de votre côté, mais pour nous, rien qu'avec la famille et les amis, il faut compter au moins 250 personnes. Oui. Ça va? Excusez-moi. Et pour le traiteur, j'ai pensé qu'on pourrait prendre le nôtre. Pourquoi pas? Et qui sait? Comment? Le traiteur. Qui sait? C'est le nôtre. Mais si vous préférez prendre le vôtre... Non, on n'a qu'à prendre le vôtre. Parfait. Alors? C'est qui? J'ai compris. Vous ne voulez pas le dire? Bon. Je vais commencer à consulter mon agenda pour voir s'il y a des dates possibles. Chérie, tu sais pas où j'ai mis les lunettes? Ben, elles sont devant toi, chérie. Ah, le
vous avez hyper la tête. Eh oui, nous sommes au courant. Ouais. Ce coup-là, il y en a pour 200 000. Tu sais quoi? Il va falloir que tu ouvres un troisième compte. Tu sortes l'argent progressivement. Discrétos, Serge, discrétos. Ça va, je vais pas remarre. Au fait, c'est bien gentil tout ça, mais moi j'aimerais bien qu'on accélère un tout petit peu la cadence. Comment ça? Tu t'es fait près de 40 000 ce mois-ci, ça te suffit pas? Eh non, parce que tu vois, je vais me marier, moi il faut que j'assure, et je peux pas continuer à me pignoler avec des cacahuètes. Bon, plus on veut pas. La banque va trouver sa louche. Mais ça va, y'a aucun problème, je leur ai dit que j'avais la start-up. Start-up? C'est quoi cette connerie encore, la start-up? Quoi, tu connais pas la start-up? Ça te connaît, il sort d'où lui? Oh, technologie! La start-up, c'est un mot magique. Tu dis ça à un banquier, il t'ouvre le coffre et en plus, il te lèche le zboub. Oh, technologie. Ah. C'est ce que j'aime en toi, Serge. C'est que t'es un ambitieux. Maître? C'est foutu. L'expert a considéré que votre marchandise est défectueuse. Il donne raison au Rediscount à 100%. Non, mais vous n'êtes pas sérieux, vous me faites marcher. Je suis désolé, il faut tout arrêter. Non mais c'est n'importe quoi, c'est pas possible. Il faut demander une contre-expertise, c'est tout. Mais ça servira à rien qu'un expert ne prendra le risque de désavouer un confrère. Non, le mieux est de renoncer au procès pendant qu'il en est encore temps. Quoi? Vous allez dépenser votre argent pour rien. Non mais c'est pas possible, ça va pas ou quoi? Ah, maître. Au revoir. Au revoir. Bon, mais je le connais, lui, c'est qui? C'est l'expert. Mais c'est pas possible, mais bien sûr, il était sur Rediscount à chaque fois. Ça vaille pour eux. Eh, hey, monsieur, s'il vous plaît. Eh, hey, enfoiré, reviens là. Il faut refuser l'expertise. Maître, il faut dénoncer l'expert. Non, monsieur Vibert, soyez raisonnable. Moi, j'ai acheté les tout pognons que j'avais, maintenant tu m'annonces qu'on n'a aucune chance. Non, mais ça va pas ou quoi? Monsieur Vibert, s'il vous plaît. Ça va pas se passer comme ça. Hein. Non, mais attention, faites, monsieur. Laissez ça là, monsieur. Vous n'avez pas honte de faire le métier que vous faites? Ah. Ça va vous coûter très cher, la petite comédie de l'autre jour. Écoutez, madame. Non, on s'en va. Laissez-vous. Arrêtez, monsieur, s'il vous plaît. Mais posez ça là, s'il vous plaît. Laisse-moi. Viens ici. Non, je pars chez ma mère. Non, au moins, tu préfères laisser ta femme dans un appartement sans électricité, sans téléphone, sans gaz, toute seule? Allez, viens, on s'en va. Arrête, mais qui suis-je pour toi, hein? Quand est-ce que tu vas arrêter de me prendre pour une conne? J'ai appelé la banque, ça fait des mois qu'on est dans le gouffre. Pourquoi tu m'as menti, hein? Pourquoi t'as pas confiance en moi? Sandra, écoute, ma chérie. Je t'en supplie. Viens ici. Laisse-moi tranquille. Doucement, Sandra. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Qu'est-ce qu'il y a, Sandra? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Respire, bébé. Respire, chérie. S'il te plaît. Respire, chérie. Entrez. Salut. C'est toi. Ça va, chérie? Comment tu te sens? Bien. J'étais injuste avec toi. J'aurais dû deviner. Avec toi, il faut toujours tout deviner. Attends, laisse-moi parler. J'ai quelque chose à dire de très important. Mais moi aussi, je voudrais te dire quelque chose. Attends, Sandra, laisse-moi, s'il te plaît. Vas-y, je t'écoute. Voilà, je vous ai tout caché parce que je voulais vous protéger. Toi, les enfants. Maintenant, tu sais, on n'a plus rien. C'est un garçon. Alors, ça sera dur, mais... Un garçon? C'est vrai? C'est un garçon? Qu'est-ce que tu voulais me dire de plus important que ça, hein? Sandra, c'est merveilleux. Une fille aussi, ça aurait été merveilleux, non? Bah, bien sûr que c'est merveilleux, bah, évidemment, mais je suis très fière de mes filles. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais c'est un garçon. Et pour moi, c'est un signe. C'est un signe de Dieu. On a touché le fond, on ne descendra pas plus bas. Eddie? Eddie? Oh, Sergio. Comment ça va? Bah, je pense en Shoshana, on va se marier. C'est pas vrai? Ah bah, vas-y, Tom. Merci, bonjour. Bah, je suis contente de te voir, hein, tu es en pleine forme. Hein. Ouais. Tu sais qu'on attend un bébé? Ouais, c'est un garçon. Ah, magnifique, tu sais, c'est la plus belle chose de la vie, hein, la vérité. D'abord, quand j'ai vu la voiture, j'ai cru que c'était Patrick. Il faut que j'y aille. Hein? Bon, et tu as des nouvelles? Ben, on se rappelle et puis je te raconterai tout ça. D'accord. De toute façon, tu vas recevoir en faire part, hein? D'accord. Allez, courage, hein? Bon, bah, boum! Merci. Votre monnaie. Merci, monsieur. Merci, au revoir, monsieur. Merci, au revoir. Vous gênez pas? Mais c'est mes lapins! Regarde, mais c'est pas possible! Putain, il y en a là-bas aussi! Ils fabriquent en Chine.
Attends, c'est... Attends, Eddie, c'est pas une bonne idée, ça. Attends, calme-toi. Eddie, attends, on va se faire chauffer. Arrête, laisse-moi. Bon, c'est bon, ça va. Bon, allez, t'es content, là, allez. Viens, connard. Non, mais c'est bon, on y va, on s'en va, je te dis. Eddie, regarde qui est là. Bouive, c'est fini pour toi, tu me le paieras. Eh ben, il y a mille temps. Hé, tu prendras mon argent au centuple, toi. Ok, je t'aurai, tu m'entends, c'est fini pour toi. C'est la vie de mes gosses, tu me le paieras. Espèce de pourri. C'est toi qui es fini, connard. Bonjour, monsieur Benamou. Comment ça va? Madame, monsieur Benamou, passez une bonne soirée. Attends, me jette pas l'œil, toi, hein. Allô? Oui! Ah! Willy, ah, justement, j'étais en train de penser à toi. Attends, commence à jouer, mon amour, j'arrive. Je peux dépenser combien? Mais attends, je te l'ai déjà dit, tu es nos limites. Ça va très mal. Charlie a eu la visite des flics, ça commence à être chaud ici. On arrête tout. Attends, comment ça, vous laissez tout tomber? Deux. Attends, vous déconnez ou quoi, là? J'ai pris des engagements, oui, moi. Pour mais un je, hey, je sais pas si vous imaginez, mais moi, je me marie dans un mois. Mazel tov, du con. C'est à cause de toi si on est dans cette merde. Tu voulais accélérer la cadence, hein? Et ben voilà où ça nous mène. Non, déconnez pas, les mecs. Hein. J'ai besoin de ce boulot, je vous en supplie, me laissez pas tomber, pas maintenant. Déjà, ramène-nous l'oseille que tu nous dois. Quelle oseille? Quoi? Attends, tu te fous ma gueule ou quoi? En deux semaines. On t'a filé pour plus de 200 000 balles de chèques. Je t'attends demain à la boutique. Non, mais demain? Mais comment veux-tu que demain? Enfin, je veux dire... Serge, me dis pas que tu as dépensé l'argent. Attends, je passe sous un tunnel, là. Allô? Dis, mon amour, ça te dérange pas si on rentre, là, parce que je suis crevé? Bah, tu veux pas jouer encore un peu? Ça va te détendre, ça te faire du bien? Non, pas ce soir, tu vois, j'ai pas envie. Ça te dérange pas? Non. De toute façon, j'avais plus de jetons. Bon, allez, tu viens. Au fait, papa a téléphoné tout à l'heure, il voulait savoir si t'avais une réponse, tu sais, pour le traiteur. Personnel. Papa, tu peux me donner la poupée, s'il te plaît? Tiens, c'est pour payer tes dettes. Oh, mon amour, chérie. T'es trop mignonne. Merci, mon amour. Je vais tout payer comme ça, chérie. Tiens, chérie. Ça va, papa? Oui, ça va, ma chérie. Chérie, tu viens dîner? Ça va très bien. Ça va très bien, chérie. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va très bien. Attends. Toi. Oh. Mais qu'est-ce qu'il y a? Oh, toi. Toi. Qu'est-ce qui se passe? Yvan, j'ai trouvé. On le tient, Yvan. On va niquer Verrouten. J'ai vérifié tous les détails. Le gros problème, c'est la mise de départ. Faut faire les choses en grand, sinon ça marchera jamais. Évidemment, j'ai bien pensé à Patrick, mais avec les vestes qu'il s'est ramassé, c'est pas évident. Pour ça, il faudrait que tu lui parles, toi. Discretos, tu vois l'air de rien. Yala! Putain! Mon frère, tu peux pas savoir comme je suis content de te voir. Et moi, pareil. Ça va? Yvan! Karine. Elle est où, Karine? Karine, ben, c'est à cause de la petite, c'est... C'est quoi? Tu lui as bien dit que j'arrivais, non? Oui, ben, évidemment, je lui ai dit que t'arrivais, mais c'est pas simple, hein. C'est le temps de se retourner, quand même. Se retourner? Mais c'est quoi ces conneries? Ça fait un mois que je suis parti, se retourner. De quoi se retourner? Alors, Los Angeles, il doit y avoir des bonnes, non? Dov, raconte un peu, merde! Attends, tu crois que j'avais la tête à ça, moi? Non, ils ont des belles gonzesses, y a pas. Mais le seul problème avec les ricains, c'est qu'ils niquent plus. Non, mais la vérité, c'est que vous avez pas su vous y prendre, surtout. Je te dis, les ricains, ils niquent plus. Leur truc, c'est les dates. C'est ça, leur kiff. Avoir une date avec une gonzesse. Ah, super, j'ai une date. Pourquoi ils veulent des dettes? Ils sont fous ou quoi? C'est quoi, ça? Mais c'est pas des dettes qu'il est bête, celui-là. Des dates. Des dettes, c'est des rencarts. Une date, ça veut dire que tu crois que tu vas niquer, mais en fait, tu niques pas. C'est ça, une date. Bon, Karine, elle a un mec? Quoi? Bon, Dove, il faut que je te parle à ce sujet-là. Putain.
Putain, j'en étais sûr, je te l'ai dit, je le sentais, sur ma vie, je le sentais. Ah non, tu vas pas remettre ça à un Nadine. Du matin au soir, il m'a pris la tête avec Karine. Un mot en anglais, il a appris. Un seul, Kérine. Kérine, il a appris. Je vais le buter sur la tête de ma fille, il est mort, l'enculé. Oh, arrêtez, merde, faites gaffe. Ça va pas de te mettre dans des états pareils pour une gonzesse. Putain, mais qu'est-ce que arrêtez, tu crois qu'elle allait t'attendre après tout ce que tu lui as fait voir? Attends, franchement, c'est vrai. Mets-toi à sa place un peu à Karine, Dove. Ah là, mec, alors, c'est pas grave, c'est des conneries, hein, Yvan, c'est pas sérieux. Non. Qui c'est cet enculé? Je le connais ou pas? Je le connais, Yvan? Allez, ça va, ça va. Enfin, il y a une chose qui est sûre, c'est que c'est pas en te comportant comme un dingue que tu vas la récupérer. Alors calme-toi. Oh, il a raison, faut que tu te calmes, Dove, hein. Calme-toi avec cette histoire-là. Non. Quoi, stoïque? D'où, stoïque? Tiens, malade, toi, le mec, je vais le choper, je vais lui arracher la bite à ce connard. Attends, Dove, c'est hyper égoïste de raisonner comme ça, hein. Pense un peu à Karine, la pauvre, comment elle a souffert, la malheureuse. Et toi, tu veux venir, là, et tout bousiller alors qu'elle veut reconstruire quelque chose? Mais je veux pas qu'elle reconstruise, moi, tu comprends ça? Putain, mais bon, je peux pas vivre sans elle. J'ai pigé plein de trucs là-bas, c'est bon, maintenant je sais que elle et moi, c'est pour la vie. Je suis désolé, vieux, mais tu peux pas parler comme ça. C'est trop tard maintenant. Tu t'es barré, c'est fini. Putain, mais t'es un enculé, toi. Tu crois que j'ai pas compris ton petit jeu, là, ou quoi? Quoi? Quel petit jeu? Quel petit jeu? Je t'ai demandé d'avoir un œil sur elle, de la surveiller. Évidemment, t'as rien vu, toi, hein? T'as rien vu? Non. File-moi les clés de ta caisse. Je vais aller la voir et je veux qu'elle s'explique. Non. Fais surtout pas ça. Ça, c'est la pire connerie que tu puisses faire, hein? Alors là, c'est... Écoute, essaie de la comprendre un petit peu. Elle essaie de ressortir la tête de l'eau. Tu crois que c'est facile pour elle? Élever sa petite fille toute seule, comme ça? Sa petite fille? T'es ouf, toi. Sa petite fille, ma petite fille, de quoi tu parles? Je lui envoie de l'argent tous les mois. Alors, regarde, regarde. Pourquoi elle appelle pas, putain? Putain, mais pourquoi elle appelle pas? Pourquoi, putain? Non, c'est... Allô? C'est moi. Ah, c'est toi? C'est ma mère. Embrasse-la pour moi. Dove t'embrasse. C'est vrai? Non, c'est trop gentil. Il aurait quand même pu passer voir sa fille. Bah ouais, j'ai tout fait pour ça, mais qu'est-ce que tu veux? Pour nous, tu lui as dit? Oui. Comment il a réagi? Bien, très bien. Ah, il s'en fout, c'est ça? J'en étais sûre. De toute façon, je suppose qu'il s'est pas gêné de son côté. À ton avis. Bon, écoute, là, je peux pas te parler. Ok, je te rappelle. Je t'embrasse, maman. Maman? C'était maman. Je sais, tu me l'as déjà dit. C'est quoi, Yvan? C'est toi qui as raison. Faut que je la surprenne. Je vais la jouer archi cool, genre grand prince. Comme si de rien n'était, je vais la scotcher. Tu vois, quand tu veux. C'est ça qu'il faut faire. Putain, mais quand même, tu sais, j'aimerais bien savoir qui c'est cet enculé, juste pour le choper et lui mettre... Arrête avec ça, ça n'a aucune importance. Sois cool. Sois cool. Hey, je suis cool. Je vais te dire une chose, Yvan. Je sais pas ce que je ferais si t'étais pas là, mon frère. Allô? T'es où, enculé? Ah, Willy! Écoute, la vérité, j'ai eu un petit problème. Ah oui? Mais là, tu vois, tu vas avoir un gros problème. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas aller embrasser ta mère une dernière fois. Écoute! Oh putain! Oh putain, tunnel, il va jamais me croire! Serge! Fais attention, hein, ne me fais pas le coup du tunnel, hein! Serge! Serge! Ah non! T'es tu foutais là, toi? Oh
Oh, Patrick! Oh, Dieu soit loué, tu es rentré. Écoute, il faut que tu me sors de là, je suis dans une merde, mais grave. Pas autant que tu penses, enculé. C'est quoi ce bordel ici? Attends, attends, c'est terrible ce qui m'arrive, je vais mourir. Bien sûr, c'est moi qui vais te tuer. Comment t'as pu me faire une chose pareille, hein, enculé? Oh, arrête, 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 c'est pas de ma faute, tu es amoureux! Bouge pas, tu peux rien pour attendre. Qu'est-ce que c'est? Benamou? Benamou? Oh, Serge! Voilà, où t'es, mon Serge? Hein? Benamou! Ah, il est là, mon Sergio! Maintenant, tu vas nous rendre notre oseille. Je commence à compter jusqu'à 5. Ensuite, jusqu'à 4. D'accord? 1, 2, 3, 4. Coupe, coupe, coupe. Vas-y, coupe, je vous perds jamais. Vous pouvez m'arracher les yeux ou me brûler la bite. Ça sert à rien, vous n'aurez pas un centime. Rien. Enfin, Willy, tu sais très bien que j'ai jamais rien rendu à personne. Hein? Votre oseille, ça fait un bail que je l'ai dépensé. Sans déconner, je savais que vous étiez mauvais, mais là, vous dépassez tout, hein. Filer des chèques sans ordre à moi. Faut vraiment que vous soyez limite, hein. T'apprends à bosser avec des nazes. Écoute-moi bien, enculé. Si tu me payes pas, ta tête de chien, je l'arrache et j'en fais de la bouffe pour les poissons. Tu comprends l'histoire? Je te lâcherai jamais. Tant que tu m'auras pas rendu mon oseille, je te pourrirai la vie. C'est compris? Oui. Et toi, gros connard, c'est valable pour toi aussi, hein? C'est ton cousin, non? Vas-y, ma chérie, c'est bien. Vas-y, Rebecca. Yvan t'a parlé? Il t'a dit pour... Ouais. Il avait tellement peur de te l'annoncer. Ah ouais, pourquoi? Ben, je sais pas, c'est quand même ton meilleur ami. Ben ouais, justement, moi je préfère que ça vienne de lui. Dove, t'es sûr que ça va? Ça va, ouais, ça va. Écoute, Karine, je sais que je t'ai fait souffrir. C'est pour ça que je me sens pas le droit, moi, de t'empêcher de reconstruire ta vie. Je le sais, ça. Franchement, je suis heureux de vous avoir tous les trois. Hein. Tous les trois? Ben ouais. Toi, Rebecca et Yvan. Chauffe infirmière, je sais pas si il a trouvé encore celle-là, mais c'est une fraîche. Assieds-toi. Je te préviens tout de suite, si c'est pour me parler de Serge, c'est pas la peine, tu perds ton temps, il existe plus, je le connais plus. Comment tu vas, hein? Ça va, merci. Ils me sont tombés dessus comme des porcs, j'ai pas compris. Ah, et attention, attention. Alors, il paraît que t'es sur un gros coup. Fais pas l'innocent, c'est Yvan qui m'a dit. Non mais toi, on peut rien te dire, hein. C'est pas possible, tu tiens pas ta langue. Bah écoute, un gros coup, je sais pas, peut-être. Ça fait plaisir, parce que le business pour moi c'est terminé. Je veux plus en entendre parler, je suis désolé. Non mais c'est pas grave. C'est pas grave, de toute façon, je compte m'associer avec ma mouillère. Donc... Aïe! Bon allez, c'est bon, lâche-moi maintenant, j'en peux plus là. So, I haven't finished yet. Si, 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 finished, merci, thank you, that's enough, merci, elle est terminée. Elle m'a pris la tête, celle-là. Mamoulian, qu'est-ce que tu vas foutre avec un Arménien? Bah, tu sais, moi je lui ai proposé l'affaire, ça lui a plu, bah tu le connais de toute façon. Dès qu'il y a l'oseille à prendre, lui, c'est pas. Voilà. Bon, écoute, moi je vais pas te déranger plus longtemps, si tu veux, je repasse te voir. Mamoulian, c'est un tocard. Bah, c'est un tocard, non, il a monté une belle affaire sur Internet, ça va bien. Moi aussi, je peux mettre 3 W devant mon nom, j'achète la webcam et ça y est, je suis Internet. Mamoulian, il a monté Wallou, il dépense l'argent de son père. Pourquoi tu m'as pas demandé à moi, hein? Oh, Patrick, sois raisonnable. Franchement, jamais j'aurais osé te proposer l'affaire, c'est pas possible. En plus, avec les bananes que tu t'es ramassées... Quelle banane? J'ai eu 2-3 coups durs, y a pas de quoi s'affoler. Toi-même, tu dis que t'es noir en ce moment. Donc... Attends, je suis noir en Asie, c'est tout. Tu sais ce que j'ai pris sur le Nat Squad, là, le truc d'Internet? Je me suis gavé. Seulement, je suis pas comme Mamoulian, je me vante pas. Je te préviens, si tu fais pas ce coup-là avec moi, c'est plus la peine de venir me voir, tu comprends, je suis sérieux. Alors ça marche. Voilà. Vas-y, dis-moi. Dis-moi ce que je suis censé. Alors voilà ce que tu vas faire. D'abord, tu vas commencer par prendre des petites vacances. Mmh.
poule. Superbe. Vous les trouvez où, cela? Saint-Domingue. C'est une série limitée. Et je... Oh, merci. Oh, oui. Sang, chérie. Hein? Sang. Je vais le fumer à la maison. Denis? Oui? Vous me permettez de vous appeler Denis? Bien volontiers. Manuel, allez me chercher une boîte de mes cigares, le grand modèle, s'il vous plaît, pour Denis. Oh, non. Non, non, vous plaisantez, non, non. Ça me fait plaisir, je vous en prie. Oh non, c'est trop, je ne peux pas. Prenez, je vous dis, j'en ai plein la cale. Oh, je ne sais comment vous remercier. Moi, je sais. En me tutoyant. D'accord. Je l'aime, Eddie, putain, je suis fou amoureux d'elle. Tu sais que ça n'a pas toujours été facile pour moi, hein. Putain, ça n'a pas été facile. Hein. Et là, je tombe sur cette fille, là, belle comme le jour, là. Qui me regarde comme si j'étais Georges Clooney. T'imagines ce qu'elle va être déçue? Tu aurais dû tout de suite lui dire la vérité. Pourquoi tu viens mentir aussi? Tu sais, si elle t'aime vraiment, hein, elle t'acceptera tel que tu es. C'est tout. Mais ouais, mais t'as raison, mais je suis con, je vais tout lui balancer comme ça. Tu sais, je vais lui dire, tu sais, ma chérie, tu me croyais dans les affaires, mais en fait, non, moi je suis coursier. D'ailleurs, je suis même plus coursier, je blanchis l'oseille pour la mafia. Non. Non, mais si, non, la Rolls, j'ai jamais eu de Rolls, moi. La piscine, tout ça, c'est walou. La vérité, c'est que moi, je vis avec mes vieux dans un HLM. Je suis qu'un gros mytho, voilà, c'est ça. Mais pour l'état du mariage, moi, je suis complètement open. Qu'est-ce que t'en penses? Ça a marché, ça, non? Ça marche? Ouais, non, mais... Oui, non, bon, alors... Pas comme ça, il faut pas le dire comme ça. De toute façon, c'est pas pour ça que je t'ai fait venir, tiens. Non, ça va pas, non, ça va pas. Non, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Non, mais ça va mais pas. Mais c'est pour mes vieux. Je voulais le donner à mon cousin, mais comme pour lui, je suis déjà mort, j'ai plus que toi, Eddie. Allez, tiens, prends-le. Non, mais dis donc, Sergio, t'as pas l'impression d'en faire un peu trop, là? Mais quoi, j'en fais un peu trop? Ah. Attends, Willy et son frère vont me transformer en boulette pour chien. Putain, pourquoi je gueule, moi? Je suis complètement malade. Ils vont me transformer en boulette pour chien, t'entends? Je peux pas leur rendre leur argent. Charlie, c'est un malade, c'est un boucher. T'as vu ce qu'ils ont fait à Patrick? Je suis foutu, Eddie. Foutu. Ça va, calme-toi, on va trouver une solution. Mais il n'y a pas de solution. Le miracle, ça serait qu'une fois dans ma vie, quelqu'un qui se prétende mon ami me mette sur un bon coup. Ah non. Ah non, 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 ça c'est pas possible. Et pourquoi pas? Non, c'est pas possible. Pas. C'est pas possible. Et pourquoi non. Pas? Je sais que tu cherches un quatrième, je t'en supplie, prends-moi, non. Je te jure que je serai bon. Non, non, je t'en prie, tu peux pas me demander une chose pareille. Je prends tous les risques dans cette affaire. Je joue ma peau, moi, sur ce coup. Attends, et moi, je joue pas la mienne? Oh, mais tu plaisantes. Putain, vous m'avez jamais tendu la main. Mon cousin, toute sa vie, m'a traité comme un larbin. Un petit billet de 500 par-ci, un petit billet de 500 par-là, mais pour ce qui est des bons coups, hein, ma cache. Hein. Ah non, moi, Serge, il est juste bon à porter les valises, c'est ça? Et dis, je te jure que je serai bon. Non, 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 je peux pas, Serge. Non, je peux pas. C'est ça ton usine? Attends, je crois qu'on va rentrer, là, c'est niqué. Oh, la vie de tata! Tu es venu ou quoi? Serge, hein, les valises. Je m'en ai un valise. Vas-y, taille-le. Alors, cette pièce, on pourra pas l'utiliser. Ah, c'est dommage parce qu'il y a une vue magnifique là. Ouais, t'as raison, on est dans un poulailler. Je vous ferai dire que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que bonjour, c'est qui? C'est le personnel. Attends, j'ai tourné comme un ouf dans toute la région. Je t'ai ramené tous les gens qui veulent bosser, Eddie. Ah, d'accord. Salam alaikum. Salam. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui savent se servir d'un. Ok, d'accord. Bon, alors j'embauche tout le monde.
Certains d'entre vous vont venir avec moi. Il va falloir tout nettoyer, tout briquer, là. Il va falloir du monsieur propre, hein. Hey. Allez, toutes les merdes, vous les foutez là-dedans. Voilà. Sergio. Hey. Faut que tu fasses la lignette des machines. D'accord. Ok, ta gueule. Oui. Je veux du blanc partout. Faut pas que ça passe trop neuf, surtout, hein. Oh, pour ça, okay. Y a pas de problème. Ah. Ok. Tu sais quoi, Denis? Tu m'énerves. Tu réussis tout. Mais toi aussi, tu vas y arriver. La vérité. Sa race. Au fait, Denis, tu m'as pas répondu. Mon fournisseur tunisien, ça t'intéresse ou pas? Non, t'es gentil. L'année prochaine, on va se fournir au Vietnam. C'est très prometteur, tu sais, le Vietnam. Tu devrais regarder au moins ses prix, c'est très intéressant. Enfin, ce que j'en dis, c'est pour toi, hein. L'année prochaine, si Dieu le veut. C'est comme ça qu'on dit, non? Nikom Mok. Pardon? Ça veut dire longue vie. Oh, c'est incroyable. Nikom Mok. Nikom Mok. Patrick, je t'en supplie. Et c'est encore une petite semaine. Il veut rien savoir, ce gros naze. Deux semaines que je me le cuisine. Je le supporte plus. Eddie, fais-moi plaisir. Laisse-moi lui démolir la tronche. Je te jure, tout à l'heure, j'avais le fer-set dans la main. Il avait la tête à 50 cm, je sais pas ce qui m'a retenu. De nous, une semaine. S'il ne mord pas, j'ai plus qu'à retourner sur les marchés. Dieu te préserve, Eddie. Embrasse les autres. Non, 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 je me défile pas, mais il faut que je reste pour mes affaires. Tu sais, c'est plus compliqué que je pensais, voilà. Mais est-ce que tu te rends compte que le mariage est dans deux semaines? Tu n'as même pas prévenu le traiteur. Je te jure, je vais trouver une solution. Fais-moi confiance, je t'aime, Shoshana, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Allez, bye. Et alors? Alors, il a dit de lui faire confiance, alors on lui fait confiance, voilà. Alors, ça va? Attends, je vais couper mon tricard pour le mariage. Sergio, Mazal Tov pour le mariage. Oh, c'est très fin. Bon, écoutez, les mecs, les problèmes personnels, on les met de côté, d'accord? Toi aussi, Yvan, c'est pareil. Mais pourquoi tu dis ça? On est dans la dernière ligne droite, maintenant, alors ça va. Patrick, il y a du nouveau, hein? Ça semble pas si évident avec le Vietnam. J'aimerais bien rencontrer ton contact en Tunisie. Je vais voir, mais j'espère qu'il est pas trop tard. Oh oh, ça fait plaisir, hein? Je veux pas savoir à quel point. Oh. Régaler, crois-moi. Un ensemble de cette qualité que tu obtiens chez nous pour 59$, la personne que je vais te présenter te le sort à 42. Même en Asie, tu trouves pas ce prix. Comment c'est possible? Il y a un truc. Bien sûr, il y a un truc. Mais faut surtout pas le dire, sinon c'est foutu, tout le monde va le savoir et on pourra pas en profiter. Le gouvernement fait un dumping d'enfer, il veut attirer à tout prix le marché ici. Alors le type touche des deux côtés, tu comprends? Formidable. Naturellement, t'auras ta commission, hein. C'est normal. Te préoccupe pas pour ça, mon petit Denis. T'as compris, Serge? Tu rentres comme un fou. Tu te mets à hurler que c'est un scandale et que t'es prêt à aller jusqu'à 50 000 pièces pour avoir l'exclusivité. Et t'insistes bien sur 50 000 pièces. Ok, vas-y, répète un coup, là. Ça va, j'ai compris, je suis pas un demeuré. Serge, j'en ai pas d'humeur, s'il te plaît, alors vas-y, hein. Oh. Comment? Qu'est-ce que j'apprends? Non, mais regarde pas moi, c'est Dove le patron, n'oublie pas, c'est Dove. Comment? Qu'est-ce que j'apprends? Vous fourguez ma marchandise à un autre? Je veux l'exclusivité, vous m'entendez? Et pour ça, je fais une commande ferme de 10 000 pièces. 50 000, je t'ai dit. 50 000 pièces. Mais je veux être livré en priorité, attention, hein. Ok, essaie de la jouer normal, quoi. Calme, c'est pas la peine de... Et ça va, je vais l'enregistrer, puis je vais travailler dessus. Yon, je me demandais 50 000, je crois pas que c'est un peu beaucoup, quand même. Non, t'inquiète pas, je le connais. À ce prix-là, il vendrait sa mère et il la livre, en plus. Ok. Allez. Okay. Vas-y. Comment? Qu'est-ce que j'apprends? Oh, non, c'est normal.
Voilà justement Monsieur Abderrahmane Bouziz qui dirige la première entreprise de fabrication textile du pays. Nikomouk. C'est un grand honneur pour moi d'accueillir un homme aussi prestigieux dans ma modeste entreprise. Non, c'est vous qui êtes modeste, Monsieur Bouziz. Vous avez une magnifique affaire. Ça va, on survit, alhamdoulilah. Venez, je vais vous faire visiter. Merci beaucoup. Les machines sont vieilles, mais ça marche encore tout ça. Oui, mais ça donne de la précision. C'est des machines assez anciennes qu'on ne trouve pas aujourd'hui dans le... Alors ici, nous avons une salle de réunion. On va aller voir tout le côté logistique. Salle des ordinateurs. Voilà, faut dire que nous sommes très présents sur le net. Hein. On va aller jeter un œil sur la commande. Bien, puisque nous sommes d'accord sur la qualité, on va pas tourner autour du pot, hein? Combien vous faites pour le tailleur? L'ensemble veste-jupe pour 30 000 pièces. Laissez-moi une seconde. 30 000 pièces. 45 dollars. 40, monsieur Bouziz. Je vais router un ami. Non, 40, non, c'est pas possible. À la limite, 42, mais... Non. Bon, écoutez, c'est bien pour faire plaisir à mon ami. 40, mais attention. Je descendrai pas en dessous. Dis-moi ça. Eh ben, ça démarre pas mal. Je vais regarder cette brique. Mm-hmm. C'est d'accord. Parfait. On va signer les contrats. Merci. Évidemment, nous serons intraitables sur les délais. Ça serait dommage que vous mangiez le bénéfice en pénalité trop tard, n'est-ce pas? Écoutez, monsieur Verhouten, nous savons travailler vite et bien. C'est le secret de notre réussite. Qu'est-ce qu'il faut? Putain, il va tout faire foirer, je le crois pas. Un problème? Non, non, pas du tout, j'étais juste en train de... C'est quoi ce bordel? Où tu es, enculé? Toi, tu es Abderrahmane! Ah, tu es là, coulé! Cachigno Batiesti! Santiago Chicani était passé! Ah, tu as voulu me fourrer, hein? Tu as voulu fourrer Massoud. Massoud qui t'a amené la Russie sur un plateau. Et toi, tu essayes de me la mettre à moi. Je vais t'apprendre ce que c'est que d'enculer un ouzbek. Écoutez, monsieur Massoud, ces messieurs sont venus de France pour passer une grosse commande, ok? C'est quoi ça? Comme ça, toi. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est mon modèle! Attendez, attendez. Je comprends pas très bien, là. Il y a aucun problème. Monsieur Massoud est un client à moi. Il en effet commandé ce modèle pour le marché russe, mais rien n'a été signé. Comment ça, rien n'a été signé? Ça fait 5 ans qu'on travaille ensemble. 5 ans, tu entends, Abderrahmane? Qui est-vous, monsieur? Denis Verhouten, directeur des achats d'Eurodiscount. Deuxième groupe d'hypermarchés en Europe. Connais pas. Bon, puisque c'est comme ça, je vais prendre l'exclusivité, hein? C'est ce que tu voulais, Abderrahmane, hein? Parce que toi, t'es un malin. Un instant. Je ne sais pas qui vous êtes, hein, mais je peux vous dire que vous êtes loin du compte. Je viens de commander 30 000 tailleurs fermes. 30 000? Ah, moi, je prends pas 30 000, ni 40 000, d'ailleurs. Je prends 300 000. Oh, c'est pas vrai. Oh, mais j'ai l'impression qu'on se moque de nous, là. Attendez, visiblement, ce monsieur est un grand farceur. Pas du tout! Je prends 300 000, Mouniesque, c'est 300 000! Et tu me dois l'exclusivité, Abderrahmane. Allez, donnez-moi le contrat que je désigne. Bon, moi, je crois qu'on n'a plus rien à faire ici. Non, mais on nage dans le... Ah, n'importe quoi. Est-ce qu'il te prend, t'es ouf ou quoi? On avait dit 50 000. Bon, on va pas y passer la nuit, hein? Donnez-moi le bon de commande, là. Et arrête, putain, tu vas tout faire foirer. D'un nom de Dieu, j'avais dit à Eddie de pas te prendre. Chut. Allez! 350 000. Mais monsieur Verhouten... C'est l'affaire du siècle. On envoie la moitié à nos filiales belges et allemandes. Ils vont sauter dessus. Même à 40 dollars, on est 30% de toute leur tarif. Mais non, mais ce type est fou. Il est pas fou. Il est ouzbek. 80 000! C'est qui ça? Ils vont faire la loi ici maintenant? Je vais te tuer, tu m'entends? La vie de ma mère, je te tue, enculé. 380 000, ça y est, yalla! C'est fini, donnez-moi le stylo. Il faut que je signe. Quel prix pour 400 000? 28. 27. C'est bon. Affaire conclue. Kodjibotieska! Maudit masque! Discount! Si vous voulez bien me suivre, on va changer les contrats.
Pas la porte. Non, 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 pas la porte. On va aller plutôt dans mon bureau, il y a du champagne. Bien entendu, le prix indiqué, Franco on board, payable à l'aéroport, à la livraison. C'est comme ça chez nous. Après le contrôle de qualité, c'est comme ça chez nous. Qui a lieu à l'aéroport, on est bien d'accord. Absolument. Je viens de donner des instructions à notre banque. Vous serez réglé dès qu'ils auront reçu l'assurance que la marchandise a bien été contrôlée. Les certificats conformes. Allez me chercher les cigares. Là, Denis, tu m'épates. Je te savais une pointure, mais alors là... Tu te rends pas compte? À ce tarif-là, c'est l'affaire du siècle. On va inonder l'Europe. Pour la cosmétique de la facturation. Pardon? Ma commission personnelle. Mon compte à Hong Kong. En toute discrétion, bien sûr. Monsieur Virouten, on a l'habitude, enfin. Nikomuk. 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 Vous avez les documents? Oui. Calme-toi un peu, hein. Pardon? Non, non, rien. Tenez. Ça, ça correspond à oui, ça. Oui, ça va. Il y a un problème? السيد باتريك أبيدبول، السيد إيدي ويبير، السيد سيرل بنامو على متن الطيارة رقم تونسير. Alors, ça va passer. Non, il est tombé sur un taré du contrôle, il a tout épluché. Oh putain. C'est à cause de l'autre naze, là, avec son histoire d'ouzbek. Attends, c'est ton mec aussi, il a flairé le piège et puis c'est tout. Donc voilà, donc cher monsieur, je vous confirme le virement sur votre compte numéro 0045 blablabla de la somme de 65 740 000 francs. Ça fait combien en dollars, ça? C'est énorme, hein. C'est vrai. Il est passé en l'aise. Non. D'abord, je veux que tu t'excuses. Non. Serge, je t'aime. Non, je veux que tu dises que t'es fier d'avoir un cousin comme moi. Je suis fier d'avoir un cousin comme toi. Aussi beau, aussi génial et aussi intelligent. Aïe! Pas de pisser sur les mains. Bon, il y a un avion, les garçons. Oh. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? C'est lui qui livre. Vous êtes livreur maintenant? Provisoirement, oui. Où est la marchandise? Tout est là, monsieur. Il n'y a pas 400 000 pièces là-dedans, hein? Ça va pas, non? Où est le reste? Il n'y a pas de reste. Ça correspond exactement au bordereau. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ouvrez! C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi? Je sais pas, moi, je comprends pas. On dirait des habits de poupée, ça. Le contrôle, bordel! Le contrôle, le contrôle! C'est indiqué, voilà, 52 en longueur, 25 en largeur. Millimètres. Virouten, si jamais vous aviez un problème de taille, téléphonez-moi. On fabrique très vite dans le sentier. Messieurs? C'est pas des centimètres. C'est des millimètres. On s'est fait baiser comme des bleus! 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 Baiser comme des bleus!
Oh, Dove. Putain, Yvan. Ça va? Chérie, c'est qui? C'est Yvan. Putain, mon frère, je suis le plus heureux des hommes. Salut. Salut. Karine, chérie, va te rhabiller, va nous faire une syncope. Tiens. Merci. La vérité, elles sont magnifiques, hein. Assieds-toi, viens. Attends, c'était explosif. On a fait l'amour comme des bêtes, c'était fort, tu peux même pas imaginer. Je préfère pas savoir. Finalement, j'ai fait comme tu m'as dit, et c'est passé comme sur des roulettes. Et au sujet du mec, là... Petit malade ou quoi? On en a même pas parlé. Tu veux que je te dise, Yvan? À mon avis, elle a inventé tout ça rien que pour me rendre jaloux. C'est des vicieuses, les nanas. Karine, ma chérie. Viens, ma chérie, regarde comme elle est belle, regarde-moi ça. J'étais en train de lui dire à quel point il avait été formidable. Yvan. Non, Yvan, j'oublierai jamais ce que t'as fait pour nous. Moi non plus. Allez, à l'amour. À l'amour. Et à l'amitié. Bien sûr, à l'amitié. Pas un coup de téléphone depuis 15 jours! Pas une nouvelle! Même ses parents, ils savent pas où il est! Mon Dieu, quel malheur, ma petite chérie. Eh bien, il ne reviendra jamais! Papa! Je sais ce que tu ressens, ma chérie, je le sais. Malgré tout, c'est une chance que nous ayons découvert le vrai visage de ce misérable aujourd'hui. Imagine que vous soyez mariés. De toute façon, on n'emportera pas au paradis. Hein. Et voilà! Marie, Shoshana, venez voir! On a tout à fait pour s'aimer. Et alors? Elle est pas dit? Bachelier à 14 ans, avec mention. Diplômé de sciences politiques à 20 ans. Sorti premier de sa promotion à Polytechnique School of London. Serge n'est pas seulement l'étudiant brillant, l'entrepreneur audacieux, le travailleur acharné que nous connaissons tous. C'est d'abord et surtout un homme de cœur, un homme généreux qui fait la joie de sa communauté et le fils aimant qui fait la fierté de ses parents. Oh. Mazal tov. C'est pas vrai. Attends. Non, bah, attends, mais il est ouf ou quoi, le chef, là? Attends, va me le chercher. J'en peux plus. Vas-y. Hé, mène-toi, cours! Bonjour, ça va? Profitez de là-bas, il y a un buffet, hein? Attends, il est en train de me tuer les nerfs. Tu entends ce que je dis? Il me tue les nerfs. Décroche un peu, Sergio. Tu vas faire une dépression, là. Mais attends, il me fout un saumon par sushi, ce hamad, là. Il est en train de me bouffer la baraque. Oh là là là. T'as vu la beauté? Et la beauté, ça, c'est pas la beauté, ça, la femme de ma vie. La femme de ma vie, c'est pas la beauté, ça. Peter Alaoui, vous faites tout comme votre cousin, vous. Viens, on va dire bonjour. Rien là-bas, rien qui est là-bas. Oh, mon fils. Et alors, Mazel tov, chérie. Oh, si vous... Ta mère, quand elle était jeune, ma fille chérie, je t'adore. J'ai toujours su. Mon fils n'a plus Vincent. Il réussirait. Votre fils m'a dit que vous étiez un champion de golf. Moi? Mais... pas du... Ah, le golf? Oui. Champion de golf, bien sûr. Je m'y suis mis aussi il n'y a pas longtemps. Vous êtes quoi comme handicap? 3 de l'œil droit et 5 du gauche. C'est la fête quand même. Yeah.
shalom, 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 alléluia. Oh, on est pas bien là? On est royal. C'est un grand kiff les mecs. On prend perpète. Serge, Serge, il faut qu'on te parle. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ah, il y a Martine. Là, appelez Martine. Viens voir, viens voir. Si, si, si. Eh ouais, si Chanel, c'est, t'es mort. Allez, Serge. Voilà, arrêtez vos conneries. Mais qu'est-ce que c'est que cette Martine? J'ai jamais invité, moi. Allez là, Martine, bien, je m'en suis. J'ai jamais invité de Martine. Tiens, attention, attention. Oh, dis donc, ouais. Putain, ma montre, putain. Mec, la bouche. Arrêtez, tu me juste là-bas, qu'est-ce tu crois? Championne du monde, qu'est-ce tu crois? Si on brasse ses péchés, qu'est-ce tu crois? Ça va ou quoi? Qu'est-ce tu crois? Un péter à la oui? Bien sûr que oui! Bibi, oublie pas, t'es un gagnant, hein? T'es un gagnant!